renouveler la foi dans le peuple de la foi. Tel le défi lancé par les ordinaires catholiques de Terre Sainte réunis en assemblée plénière à Bethléem, à quelques semaines du début de l'année de la foi. Et le souhait que cette année de la foi soit l'année des pèlerinages. L'Église invite les fidèles à faire un pèlerinage dans la Terre de Dieu pendant cette année particulière. En attendant, c'est le boom des touristes en Terre Sainte pour le premier semestre 2012. La musique nous aide à revenir à nos racines, quand l'Église louait Dieu d'une seule voix. À Gethsémani, le samedi 22 septembre, la première de la symphonie eucharistique composée par le père Armando Pietrucci. De nouvelles salles et des locaux rénovés, un nouveau départ pour le Magnificat, l'école de musique de la Custodie de Terre Sainte. Un exemple d'excellence dans la promotion de la culture et de la cohabitation. La paroisse de Bollate aux portes de Milan et celle de Saint-Sauveur à Jérusalem, unies par un jumelage. L'accord a été signé dans la ville sainte il y a quelques jours pour sceller une amitié instaurée depuis longtemps déjà. Le 8 septembre, la mémoire de la Nativité de Marie est célébrée à Jérusalem en la basilique Sainte-Anne, sur le lieu qu'une ancienne tradition indique comme étant l'emplacement de la maison des parents de la Vierge.